Les homophones de dent. Ayant une sonorité similaire, dent des apostrophes EN, dent des ANS et dent des UNT, peuvent se confondre à l'écrit. Pourtant, rappelons que dent des apostrophes EN est la forme contractée de la préposition DE et du pronom personnel EN, que dent des ANS est une préposition qui sert à indiquer un lieu, que dent des UNT est un nom. Commençons tout d'abord par dent des apostrophes EN. Il est utilisé en tant que pronom. Il se place toujours avant un verbe à l'infinitif. Exemple, les fleurs sont fraîches dans cette partie de la colline. Il ne faut pas oublier d'en cueillir quelques-unes pour maman. Les histoires de fantômes, il est interdit d'en parler la nuit. Nous n'avons plus de sucre, n'oublie pas d'en acheter sur le chemin du retour. Pour reconnaître dans des apostrophes EN, on peut procéder par substitution en mettant « de » devant le verbe à l'infinitif et en rajoutant « de cela » ou « cela » après le verbe. Exemple, « d'en cueillir » devient « de cueillir cela »,« d'en parler », »,« de parler de cela », »,« d'en acheter », »,« d'acheter cela ». On peut également le remplacer par « du » lorsqu'on évoque un lieu. Les voisins d'en haut, cela donne les voisins du haut. Passons maintenant à « dans » des ANS. Il est utilisé lorsque l'on veut indiquer une chose se trouvant à l'intérieur d'une autre ou lorsque l'on veut évoquer un laps de temps. Exemple, le marteau se trouve dans la boîte à outils, j'aurai fini de cuisiner dans 2 heures, dans ma poche se trouve une bille. Pour reconnaître dans, on peut procéder par substitution en le remplaçant par à l'intérieur de lorsqu'on évoque un lieu et par d'ici lorsqu'on évoque le temps. Application. Le marteau se trouve dans la boîte à outils. On peut dire le marteau se trouve à l'intérieur de la boîte à outils. Ou encore, j'aurai fini de cuisiner dans 2 heures. J'aurai fini de cuisiner d'ici 2 heures. Passons maintenant à dent, D-E-N-T. Dent est un nom ayant pour champ sémantique bouche, langue, lèvres, dentiste, etc. Pour reconnaître le mot dent, il faut alors être attentif au contexte de la phrase. Exemple. Voici une dent de requin que j'ai prise dans la gueule de la bête échouée. Cette dent est cariée, le dentiste doit l'examiner. Marie a perdu sa première dent de lait. Comme il s'agit d'un nom commun, il faut se rappeler qu'il se placera toujours après un article défini, un article indéfini, un déterminant possessif ou démonstratif. Dans le cas du mot dent, on peut écrire la, les dents, une, des dents, ma, ta, sa, notre, votre, leurs dents, ses dents. Le mot « dent » est également utilisé dans les expressions « dent pour dent et pour œil » ou « avoir une dent contre ». La première expression renvoie à la vengeance. La deuxième expression signifie avoir un sujet de rancœur contre quelqu'un. Résumé. « Dent » des apostrophes « en », rajouter « de » avant le verbe et « de cela » après le verbe. « D'en parler », »,« de parler de cela ».« Dent » des « ans » signifie « à l'intérieur » ou « d'ici ». Si sous-entendu un certain temps, et dent des ENT est un organe de la bouche. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, Twitter, Google+, bienécrire.com, mais aussi me soutenir sur Tipeee ou Patreon. À bientôt pour d'autres vidéos. C'était Katia de Bien Écrire.